je m'appelle Ona Clérin. Je suis prof depuis 7-8 ans maintenant. J'ai commencé assez tard ce métier, pas de prof, mais de comédienne. Je suis arrivée à peu près à mes 28 ans dans un cours amateur. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un cours plus professionnel, acting international. J'ai commencé à travailler en tant que comédienne. Je suis autrice, donc j'écris des scripts, j'écris des pièces. Alors, mon style théâtral, ça serait plutôt du théâtre contemporain. J'ai envie qu'on rigole, mais j'aime bien aussi quand on surprend le public et que tout d'un coup, il se dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Je vais avoir envie que mes élèves choisissent. Donc, encore une fois, ça revient dans l'idée que c'est un spectacle unique, un groupe unique, un moment unique. Donc, le spectacle, je dis toujours en début d'année, c'est le vôtre. Prenez-le en main, ramenez des textes, faites-moi des propositions. C'est vraiment le premier objectif de l'année. Faire groupe, se sentir au mieux ensemble. Donc plein d'exercices que j'appelle débiles, pour désinhiber, pour y aller, pour oser, pour tenter, pour se foirer en fait, pour rater collectivement. Dès que j'ai mon groupe, je sens que ça commence à apprendre des textes, on commence les textes. Ce que j'aime bien, c'est travailler le texte en profondeur, c'est-à-dire vraiment déconstruire ce que les gens peuvent attendre d'une réplique, d'une scène. J'ai pas de méthode, vraiment je vais m'appuyer sur les élèves, voir si en travaillant de telle manière ça passe, si ça passe pas, je rétroagis, je reviens en arrière. Voilà, c'est eux qui m'apprennent en fait comment ils veulent apprendre. Donc ils ont déjà ça en eux, moi je suis que l'outil. Ce qui est très important pour moi, c'est que les gens osent se rater jovialement, voilà. Qu'ils viennent et qu'il n'y ait pas d'attente ferme, ni sur eux, ni sur le cours, ni sur... parce que moi, je n'en ai pas. Et je pense que c'est libérateur. Donc, bien entendu, le maître mot, c'est la liberté. Mais pour toucher ça, parce que liberté, ça c'est une définition vraiment à combler en une vie. Et ben, pour toucher ça, c'est... voilà. Prenez le chemin, osez, tentez, ratez, moquez-vous de vous et allez nulle part.